3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur des jeux qu'on n'a pas coutume d'en parler, enfin qu'on parle très souvent, mais après qu'on n'en parle qu'une fois, à savoir les jeux Lego. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors bien évidemment quand on parle de Lego, bien évidemment on parle bien sûr de la célèbre entreprise danoise qui fabrique des jeux dont la gamme de produits est la plus connue. Et bien évidemment Lego qui constitue des briques élémentaires à assembler et depuis qui a vu le jour aux alentours de l'année 1932, qui après la date de création de 49 de briques est non, suivi d'un dépôt de brevet de 1958, mais qui a quand même réussi à survivre et subit aussi un petit peu ce qu'on peut appeler les épreuves du temps, mais qui a quand même réussi à tenir la barre. Et bien évidemment quand on parle de Lego, on parle bien évidemment de célèbres jeux Lego, et bon sang, c'est fou qu'il y en ait eu des chiés. Bon, bien évidemment, quand on parle de Lego, on parle bien évidemment des célèbres jeux de la franchise avec les briques, mais il existe aussi pas mal de jeux vidéo qui comprennent justement de la franchise de Lego. Et franchement, très sincèrement, il y a du choix, il y a vraiment du choix. Bon, bien évidemment, je ne vais pas tous les citer parce que déjà, il y en a quasiment mais toute une armada, mais ça va à l'encontre des jeux Star Wars, des jeux Indiana Jones, des jeux Batman, des jeux Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, en passant par d'autres jeux tirés de films, ou de comics, comme ici, Marvel, Jurassic Park. Bref, franchement, il y a du monde. Franchement, il y a du monde. Hein. Et très sincèrement, franchement, c'est... Mais c'est tout le temps la même chose. C'est, franchement, c'est des briques de la plateforme, des briques de la plateforme, des briques de la plateforme. Ah oui, et pour tous ceux qui doivent se demander d'où vient l'origine du mot Lego, alors, d'après le wiki, le nom de la société qui fut créée par Ole Kirk Christiansen, qui a créé cette entreprise en 1932, à partir du danois, oui, parce que c'est les jeux Lego viennent du Danemark. J'en profite pour également faire une dédicace à tous mes fans danois. À partir du danois Legot, qui signifie joue bien. Et en latin, Lego peut signifier j'assemble. Mais il semble que le Christiansen l'ignorait lorsqu'il choisit ce nom. Eh ben bravo, merci monsieur Ole Kirk Christiansen. Franchement, franchement, c'est bon. C'est un peu dommage que vous ne soyez plus de ce monde. Mais franchement, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait. Mais vraiment, jamais, hein. Et pourtant, le tout premier jeu Lego qui a été sorti en jeu vidéo, c'est celui qui se nomme Lego Fun to Buy, sorti en 1995 et sur Sega Pico. Alors la Sega Pico, d'après mes sources, il s'agit d'une sorte de petite console éditée par Sega, mais c'est pour les jeux éducatifs. En gros, c'était quasiment une console pour les tout petits. Alors pour ce qui concerne le jeu, c'est un petit peu comme les jeux Lego traditionnels. On construit, on fait des mini-jeux. Bref, c'est sympa, mais quasiment sans plus, quoi. C'est bien, mais trop original, voilà. Bon, bien évidemment, les jeux Lego sont tous bien, je vais pas vous mentir, franchement. Bon, j'en ai testé un seul parmi les Lego, c'est le fameux Lego Soccer. Franchement, le jeu, très sincèrement, est plutôt sympa, D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux tester d'autres jeux Lego. Enfin, bon, je ne promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, mis à part ça, les jeux Lego sont tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Bon, et bien évidemment, quand on aime ou qu'on n'aime pas, on a chacun notre opinion là-dessus. Hein. Mais c'est pas les pires, parce qu'il y a eu des biens, des moins biens, Enfin, je vais quand même vous en parler, Alors, puisqu'on parle de jeux Lego, il y en a un qui m'a interpellé, c'est Drome Racer. Alors celui-là, c'est vraiment un jeu de course, mais assez surdimensionné, où on contrôle quasiment des bagnoles, ressemblant un petit peu à des voitures monoplace, quand on voit dans les courses de F1. Franchement, le jeu est bien, et c'est assez pété de vitesse, je dirais. Hein. Ouais, c'est littéralement de la F1 version, mais technique. Franchement, c'est de la technique. Franchement, c'est vraiment des limites à croire entre de la F1 version cybertechnique. Si on combine les deux, mais ça fait vraiment une belle compétition d'automobile. Hein. Franchement, dis donc, si la F1 ressemblait à ça, dis donc.
Bon, bien évidemment, je peux parler de certains jeux, comment dirais-je, Lego qui sont sortis, qui ne datent pas d'hier, qui sont sortis en pleine période à la fin des années 90, comme par exemple Aventure sur l'île de les Lego, Lego Loco, Lego Chess, une sorte de jeu Lego en version échiquier, oui, parce que ça existe, bien évidemment. Lego Rock Riders, qui est plutôt pas mal. Lego Racer, alors franchement, celui-là, franchement, il est plutôt pas mal, il est assez classe. Bon, bien évidemment, je peux pas bien sûr en parler de certains qui étaient assez bien. Limite assez original comme Lego Alpha Team, Lego Stunt Rally, Lego Racer 2, Lego 2, Lego Football Mania que j'avais déjà testé, que je trouvais assez sympa, Lego Creator, Unicorn Hero, ouais, ça c'est bien aussi, Lego Drone Racer, Lego Night Kingdom, et ainsi que d'autres, mais bon, mais vous savez, les jeux Lego, ils sont tous bien, mais, ouais, mais comme je viens de vous le dire, on entre quasiment dans le livre du sujet, ça n'intéresse que au fin à corps de la franchise. Franchement, avec ces jeux-là, mais c'est sûr qu'on peut avoir du fun. Franchement, les jeux Lego sont vraiment mais destinés à les fans hardcore de la franchise. Et bien évidemment, je peux ou bien sûr en parler d'autres, notamment le fameux Lego Universe, Lego Ninjago, qui comprend la série Ninjago, est tiré aussi du film Legend of Shima, Speed Ross, Lego Legend of Shima, Lego Friends, Lego Minifigures, Lego Nexo Knight Merlock, bref, je sais pas d'où il sort cela, mais bon, une chose est sûre, il mérite d'en parler. Faut dire que la marque Lego, j'aurais pas dit, hormis les jeux vidéo, ils ont quand même pas mal fait d'autres trucs. Ils ont fait vraiment, c'est le genre de société qui a vraiment mais, tout gagné en matière de marketing. Bon, mais évidemment, je peux bien sûr compter bien sûr les parcs d'attractions qui s'appellent Legoland. Non, il y en a quelques-uns qui se trouvent aux États-Unis, notamment en Californie et au comté de Polk. Mais il y en a un aussi qui se trouve à Windsor, au Royaume-Uni, et dans l'état de Johor, en Malaisie. Eh ben, sincèrement, mais Lego, franchement, ça reste quand même assez divertissant, parce que franchement, c'est le genre d'entreprise qui n'a pas d'âge, franchement, qui n'a strictement pas d'âge. D'ailleurs, ça existait encore à l'époque, à mon époque, ça existe toujours, d'ailleurs. Mais hormis la société, les jeux vidéo restent quand même assez bien et même très très bien, franchement. C'est voilà, il n'y a pas à dire, c'est vraiment on a l'impression de recréer les scènes de films, ou de recréer les franchises de Lego à partir de nous-mêmes. Mais bon, bien évidemment, quand on parle de Lego, bon, c'est assez intéressant. Bien évidemment, c'est un mélange entre de la plateforme et de la brique. Bon, c'est un petit peu comme dans. C'est un peu plus. Bref, c'est un petit peu plus différent que Minecraft. Mais bon, ça va. Franchement, c'est de la belle originalité et j'espère encore qu'il existera encore d'autres jeux Lego. Et j'espère qu'il en existera encore. Bon. Voilà, je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc la vidéo spéciale critique sur les jeux Lego. Alors, si vous aimez les Lego et les jeux Lego, ben, n'hésitez pas à en tester, d'ailleurs. Et si vous voulez que j'en teste quelques-uns, n'hésitez pas à les mettre en bas la description. Franchement, les jeux Lego sont tous aussi bien les uns que les autres. Après, quand je viens de vous dire qu'on aime, qu'on n'aime pas les Lego, ou si qu'on aime, qu'on n'apprécie pas les jeux Lego, on a chacun notre point de vue. Franchement, y a pas à dire. C'est vraiment le. La franchise qui a vraiment mais bien concurrencé et qui s'est bien adapté au niveau visuel, quoi. C'est franchement enfin au jeu vidéo ludique, c'est ce que je voulais dire, hein. Et bon, par contre, j'aimerais bien qu'un jour qu'on fasse qu'il existe d'autres jeux Lego de diverses franchises. Bon, je sais qu'il y a eu pas mal, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelques-uns, notamment je sais pas, parce qu'il y en a certains qui peuvent il y a d'autres franchises qui peuvent, comment dirais-je, avoir leurs propres jeux Lego. Je sais pas, mais on peut en citer James Bond, Sonic, Mario. Enfin, je sais pas s'il en existe vraiment avec Sonic et Mario. Enfin, je dis quand même, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Transformers et pourquoi pas GTA? Non, mais un jeu Lego version GTA serait pas mal, non? Vince, le jeu GTA, il existe aussi un jeu GTA version Lego, mais c'est Lego Underground, hein. Par contre, il y a un mec qui a réalisé des trucs cash de GTA version Lego. Putain, je déteste avoir raison.
Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête ici. Donc, c'était donc la vidéo spéciale critique consacrée au jeu Lego. Alors, si cette vidéo vous a plu, c'est mieux comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Et juste avant de nous quitter, on va laisser la fin au T-Rex technique. Ouais, franchement, à côté de ça, avec Godzilla, c'est un cadeau. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes...